Alors bonjour, nous jouons contre Mario Boss, un joueur français classé 1566, et on va commencer par le coup des 4 On va voir où cela va nous mener. Mon adversaire joue D5 rapidement, et je vais jouer C4, le Dame, c'est-à-dire que j'invite l'adversaire à prendre mon pion C4 pour que son pion du centre s'éloigne, et, euh, et ainsi pouvoir jouer E4 par la suite. Mais mon adversaire a refusé, il joue. Euh, le me refusé, alors c'est la variante orthodoxe où il va jouer E6. Et donc si je prends, il reprendra du pion et il conservera un pion au centre. Euh, je vais jouer cavalier C3 et j'appuie toujours la pression sur le pion D5, même si j'ai bien conscience qu'il défend bien. Et il vient de jouer C6. Bon. Alors euh, dans cette position, on peut continuer par plusieurs coups, je peux continuer par la sortie du cavalier en F3, jouer E3, peut-être même jouer E4, me paraît pas euh, euh, idiot. Il y a beaucoup de coups possibles. Mais je vais décider de prendre en D5. Alors pourquoi je fais cela C'est pas obligé, hein, c'est pas du tout la principal, principale, mais je me dis que s'il si reprend du pion C, euh, eh bien moi je pourrais sortir mon fou puis jouer E3. Alors que lui, son fou en C8 sera bloqué par le pion en E6. Donc euh, j'aurai une position légèrement meilleure. Et sur la prise il reprend du pion en E6 pour développer son fou, je sortirai le mien et je jouerai E3, et j'aurai une structure de pion qu'on appelle la structure de pion Carlsbad. Et je vais vous montrer les plans pour jouer cette structure de pion. Si mon adversaire euh, s'oriente vers, vers ce choix. Donc là on va voir, est-ce qu'il va s'orienter sur la structure de pion symétrique qui me permet de sortir mon fou avant de jouer E3? Alors c'est ce qu'il a choisi. Ou alors il aurait repris du pion de E6. Et ça aurait été la structure Karlsbad. Donc, on n'aura pas de structure Karlsbad dans, euh, dans cette partie. Alors, je vais sortir certainement mon fou, mais après tout, j'ai pas urgence à le sortir. Je peux décider de devenir en f4. Ah, d'accord. Si je joue fou d6, par contre, je pourrais plus le sortir. Donc, euh, je vais jouer cavalier f3, comme, et comme ça, je pouvais aussi le sortir en g5, même si je jouais fou d6. Bon, il vient de jouer cavalier f6. Je vais jouer fou g5. Je cloue son cavalier et je m'apprête à jouer E3. Voilà. Donc vous voyez, la seule différence dans cette position, c'est le fond C8 qui... qui ne peut pas se développer naturellement. H6 est joué. Bon, je peux prendre, bien sûr, et reprend. Ça ne me paraît pas négatif, mais pourquoi le faire Je peux reculer en H4, tout simplement. Ou même revenir en F4. Je vais reculer en H4. Alors il peut me poursuivre par G5, mais je jouerai F ou G3. Bon. Il ne l'a pas fait, je vais développer ce fou, j'ai plusieurs cases, mais pas d'intérêt à jouer au 2. De toute façon, il ne peut même pas jouer fou G4 pour me clouer. Donc autant placer mon fou un peu plus agressivement en D3. Comme ça, mon fou a deux fenêtres de tir ici. Parfois, on peut reculer le fou, mettre la dame en D3, échanger son cavalier, et avec la batterie d'attaque, c deux dames D3, essayer de mater en H7. Mon adversaire a fait cavalier c6. Parfois, les, les joueurs qui jouent ça peuvent vouloir jouer cavalier b4. Alors, je peux jouer a3 pour bloquer, mais je peux aussi jouer petit rock ici parce que sur cavalier b4, je recule en b1, puis je chasserai le, fou par, le cavalier par a3 et je pourrais euh, après même peut-être même ma dame en d3 et faire ce que je vous disais avec fou prend cavalier et l'association fou dame pour attaquer euh, la case h7 essayer de menacer Matt. Donc, je vais faire petit rock. On va voir si je vais jouer cavalier b4. En tout cas, il y aura fou b1, a3. Et Dame des Trois, qui sera joué. S'il veut pas jouer cavalier B4, il faudra qu'il décide par rapport à son fou ce qu'il va faire. Il vient de jouer cavalier E4, et je n'ignore pas qu'il attaque deux fois mon fou. Bon, alors si je prends son fou et qu'il reprend, par exemple de la Dame, je peux gagner un pion. Je ferai fou prend, ou alors cavalier prend, pion prend, et hop, la deuxième pièce reprend et j'aurai gagné un pion. Mais son fou prend E7, il va certainement faire cavalier prend c Trois. Je prends sa Dame. Il prend la mienne et je peux prendre son cavalier mais il prendra mon fou et si je recule avec mon fou si je, je repars par exemple en h4 il pourra prendre en b2 et attaquer mon fou en d3 hmm. alors si je fais fou prend cavalier il peut faire fou prend fou Je peux reprendre. Il peut reprendre de la dame. Et après, je peux sauver mon fou. Bon, je gagne rien dans l'affaire. Donc du coup, le coup cavalier E4 semble justifié. Je ne pensais pas qu'il pouvait jouer ce coup ici. Je ne pensais pas qu'il qu pouvait jouer ça ici. Ceci dit, toutes les variantes que je viens de vous montrer laissent toujours les noirs avec le mauvais fou c8. Donc c'est pas en ma défaveur. Seulement, les échanges de pièces successifs comme ça, je pense que ça va simplifier un peu la position. Et pour prendre un avantage, parfois, il faut garder quand même une certaine complexité dans la position pour laisser l'adversaire se tromper, vous voyez. Alors, quelle variante je vais faire Est-ce que je prends son fou et que je le laisse prendre mon cavalier Je prends sa dame, il prend la mienne, je reprends, il reprend. Et on joue cette position. Ou alors, est-ce que je prends son cavalier d'abord Cavalier prend, cavalier. Il prend mon fou. Je prends son fou. Sa dame reprend. Et mon cavalier part. Je ne sais pas quels quel échanges il faut que j'effectue ici. Ça me paraît à peu près équivalent. Alors. Souvent, ce qui paraît équivalent ne l'est pas réellement. Il y a toujours un coup meilleur que l'autre, mais... Ou souvent en tout cas, mais ici, je ne vois pas. Hein. Bon, bah je vais faire fou prend. Donc normalement, il doit faire cavalier prend cavalier. Et attaquer aussi madame. Et il ne l'a pas fait. Donc il va me laisser gagner un pion. Alors, je peux gagner un pion en faisant fou-prend, pion-prend ou cavalier-prend, ou en faisant cavalier-prend, pion-prend et fou-prend. Je vais choisir cavalier-prend, parce que j'estime que mon fou aura de, de bonnes diagonales. Parce que la disparition de son pion en D5 laisse de belles diagonales à mon fou, en fait, dans cette position. Il vient de jouer F5, il réagit ici un peu primitivement pour essayer de bloquer cette diagonale, essayer de repousser mon fou, mais il se crée des faiblesses. Par exemple ici, euh, je vais faire fou pour cavalier. Parce que la poussée F5 me donne la case 5. Une case faible, centralisée, sur case noire. Donc je vais échanger le cavalier qui défendait la case 5 et m'implanter sur la case 5 après. Et l'adversaire a une accumulation de pions sur case blanche, avec un fou de case blanche mauvais. Hein, même si le fou sort la pointe de son nez en A6, il me suffira de jouer tour 1 et il n'y aura pas de cible sur les cases blanches. Alors que mon cavalier va triompher en E5. En plus, j'attaque C6. Mais vous voyez, mon cavalier est inexpugnable, indélogeable en E5. Il est situé sur une case forte, faible pour l'adversaire et forte pour moi. C'est une case que l'adversaire ne peut pas déloger. Il n'y a pas de pion capable de déloger mon cavalier. Et j'attaque C6, mais j'ai la case G6 aussi, une autre case faible qui me permettrait d'attaquer la dame et la tour. Bon, mais déjà, je vais régler le problème de ma tour. Tour 1. Et je garde toutes les options aux mains. Prendre en C6, investir la case G6. Voilà, là je peux faire kdg G6 et gagner la qualité. En réalité, ça me fend presque le cœur de le faire, tellement mon cavalier était bien positionné. Mais je pense que c'est certainement le, le mieux à faire quand même, donc je vais jouer cavalier G6. Attaque dame, la dame bouge, je prends la tour, et je gagne donc la qualité. C'est-à-dire que j'aurai une tour et lui un fou. Alors pourquoi c'est si avantageux d'avoir la qualité et bien Tout simplement parce que le fou de case blanche ne peut pas combattre sur les cases noires. Alors j'ai un pion de plus. Et dans le rapport matériel, je vais avoir une pièce qui peut jouer sur les deux couleurs alors que lui ne peut jouer que sur une seule. Donc euh, bon ici je vais jouer tour C1 la tour sur la colonne, ça met une pression sur C6, la dame peut peut-être arriver en A4 après, on va voir. Dame D7, il vient ici de défendre comme il peut. Alors si je joue dame A4, il va me jouer fou B5 par contre. Et je peux rien prendre, je peux même pas prendre A7 parce que la dame défend. OK. Bon. Je vais jouer tour C5, ça ça me paraît bien. Je m'impose sur la case noire, je contrôle également la case 5. Puis je peux tripler. Je peux jouer dame C2, tour C1, tripler à l'attaque du pion. Donc il joue G5. Maintenant, il essaie de trouver du jeu, essayer de m'embrouiller, mais en fait en faisant cela, il ne fait que affaiblir les parois défensives de son roc Il n'aura plus d'abressure maintenant. Je vais jouer dame c2. Et si le pion avance, vous voyez, madame pourra même rentrer en G6. Donc je mets la pression. Il joue fou B5. En réalité, je peux jouer à 4 si je veux. Chasser son fou parce que la dame défend. Mais pour l'instant, je ne vais pas le faire, je vais jouer tour C1, accumuler les pièces sur la colonne et préparer tour prend fou. Parce qu'après pion prend, la dame et la tour pourront se saisir de la tour C8 qui sera protégée qu'une seule fois. Donc tour C1 menace tour prend fou, pion prend, dame prend tour, dame prend et ma dernière tour reprend son échec et la finale est gagnée facilement avec une tour de plus, bien sûr. Mon adversaire voit pas, il joue vite, donc tour prend fou. Et là, il a compris. Il a compris que s'il reprend, il part à la tour. D'un seul coup, il arrête de jouer. Il réfléchit. Mais il fallait réfléchir avant. Il joue beaucoup trop vite. Vous voyez, 9 minutes 50. On a commencé à 10 minutes avec 5 secondes par coup. Mais finalement, si on retire l'incrément de 5 secondes par coup, il a utilisé que 9 secondes de son capital temps. Ben oui, mais si on ne réfléchit pas, on ne trouve pas. Il faut prendre le temps de déceler les menaces. Et ça, ça prend du temps. Il faut prendre du temps pour comprendre la position. Bon, alors évidemment, pour les forts joueurs, la partie a perdu tout son intérêt, mais pour les joueurs moins expérimentés, vous allez voir comment on essaye de finaliser rapidement cette, euh, cette position. Donc je fais échec, fourchette, c'est-à-dire que j'attaque deux choses à la fois, le pion et le roi. Je prends le pion. Une fois que je prends le pion, j'obtiens une majorité. J'ai deux pions contre un ici. Et le combat de ces deux pions contre celui-ci va me permettre de créer un pion passé et d'obtenir une nouvelle dame. Alors il a joué 5, je pourrais échanger, mais je vais lui faire un petit coup d'échec pour euh, que son roi se désolidarise du, du pion en 5 on va décoller les oreilles, et hop, on va prendre le pion maintenant. Voilà. Alors le danger, quand l'adversaire continue à jouer alors qu'il n'a plus aucune chance, le danger c'est de faire patte. Faire attention, parce que parfois on mange tous les pions, et puis euh, on bloque le roi, et on ne fait pas attention, et ça fait patte. Attention, patte, c'est très dangereux, hein. tout le monde a, a fait patte. Hein. Vous comme moi, on a tous fait des erreurs de patte. Donc quand l'adversaire continue à jouer et qu'il est foutu, on est méfiant encore. Donc l'adversaire vient de jouer F4. Bon. Qu'est-ce que ça menace Rien en réalité. Qui pousse, qui prenne, bon, je vais prendre. Puis après, je peux envoyer mon pion à dame. Parce que là, j'ai obtenu un pion passé, du coup. Voilà. Alors pour l'instant, il n'y a pas de danger de patte parce qu'il a beaucoup de pions. Patte, c'est quand l'adversaire ne peut rien jouer du tout, ni le roi, ni les pions. Donc je ne vais pas me dépêcher à prendre ses pions. Tant qu'il a des pions, il n'y a pas de risque de patte. Donc je lui laisse ses pions et je fais ma dame. Maintenant, la collaboration tour et dame permet de gagner très très facilement. Alors, je ne sais pas, je vais faire dame échec, s'il vient là, tour c6, c'est peut-être déjà c'est mat. Voilà. Donc, euh, une partie courte. Euh, on voit que mon adversaire a joué un peu rapidement quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant Dans l'ouverture, euh, on a eu ce moment là où j'ai pris. Donc euh, mon adversaire a repris de ce pion et il va jouer une structure de pion symétrique. La différence près, près que je peux sortir mon fou avant de jouer E3, alors que lui il doit endurer un mauvais fou. Donc euh, le meilleur choix pour mon adversaire aurait été de reprendre du pion E et d'amener une structure de pion dite de Carlsbad. C'est ce que je voulais jouer en fait, c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, ça sera pour une prochaine fois. Alors dans cette structure symétrique, pour l'instant, le seul problème de mon adversaire c'est le, le mauvais fou. Mais il va l'endurer quand même assez longtemps. Alors là, il a joué cavalier E4. Intéressant, je pensais que c'était euh, pas vraiment possible ce coup, mais ça avait l'air possible. Donc je prends, et là, il aurait dû faire cavalier prend cavalier. Ok, je peux prendre sa dame, mais lui, il prend la mienne aussi. Parce que là, en reprenant de la dame, il perd en E4. Cavalier prend, on prend, fou prend, et j'ai un pion de plus. Et juste après ça, là, il vient de faire une erreur tactique, parce que dans, dans le calcul combinatoire, il a, il, a, il a paumé un pion. Mais. Juste après cette erreur tactique, il fait une erreur stratégique. Il joue F5. Et donc il affaiblit la case E5. Parce que le pion F5, un pion quand il avance, il ne peut plus reculer. L'avance du pion F5 fait que le pion ne pourra plus reculer en F6, contrôler la case. Le seul défenseur de la case centralisée noire, c'est le est C6. Donc immédiatement j'échange le fou contre le cavalier et je m'impose en E5. Et le cavalier rend beaucoup de service l'attaque de C6, la fourchette en G6. Donc il a joué fou à 6 pour attaquer ma tour. Euh, je suis parti et là, il a voulu défendre son pion avec cette tour. Il aurait dû faire autrement, je ne sais pas, avec l'autre tour ou avec la dame ou quelque chose comme ça, mais il a joué tour C8 et il se prend qu'à g 6 donc après avoir perdu un pion, il va perdre la qualité. Et maintenant, j'ai juste à faire attention à ne pas me positionner sur case blanche pour que le fou de case blanche ne puisse pas m'attraper quelque chose et à commencer à attaquer le pion isolé C6. Alors, c'est ce que je fais avec tour C5, je bloque, je me mets sur case noire. Là, j'ai mis madame sur case blanche, mais je savais que le fou ne pouvait pas m'attaquer. Et là, vous voyez, on pouvait repousser le fou par A4, puisque la dame protège, mais je, je tour C1 hein, avec la menace tour-prend-fou-pion-prend, et je prends ensuite la tour. Menace que mon, mon adversaire n'a pas désamorcée, donc euh, après, je gagne la pièce, et c'est facilement euh, gagné, évidemment, pour, pour les blancs. Voilà, et eh bien, j'espère que cette partie euh, aura eu euh, quelques intérêts, euh, notamment euh, dans l'ouverture, la compréhension de mauvais fou, la compréhension de de, de fou contre cavalier, la structure de pion avec la casse faible 5, et puis quelques motifs tactiques. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tous et merci pour vos commentaires et vos pouces et toute votre bienveillance. Au revoir.